Jour 10, ça va être la dernière vidéo autour du pois chiche. Regardez, j'en ai déterré un. Ils ont grandi. Le voilà. Donc, je suis un peu en retard sur mon affiche. Le jour 4, il était comme ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le pois chiche s'est coupé en deux. Comme ça. Et une petite tige est sortie du pois chiche avec des toutes petites feuilles. Et en même temps, regardez bien, en même temps, il y a une racine qui a commencé à pousser. Et ça, on était le jour 6. Aujourd'hui, on est le jour 10. Le pois chiche est toujours coupé en deux. Hop. Et les racines se sont multipliées. Il y a plein de racines maintenant. Tout autour du pois chiche, il y a des racines qui poussent. Et la tige a bien grandi avec des petites feuilles et d'autres feuilles. Comme ça. Incroyable. On est parti d'une toute petite graine et aujourd'hui on a une vraie petite plante. Donc comme promis, je vais les planter dans des petits pots pour chacun de mes élèves et avec un peu de chance, vous les aurez avant la fin de l'année. Au revoir. Et puis non, attendez, pas au revoir. Parce que regardez, notre poireau. Notre poireau, il a bien grandi. Les pommes de terre, elles n'ont rien donné, donc je vous les montre pas. Mais ce que je fais en ce moment aussi, que je vous encourage à faire, regardez, j'ai gardé un trognon de salade. Et il est en train de repartir. Il y a une nouvelle salade qui part, alors que là, j'ai quoi? J'ai juste un petit pot avec de l'eau. Ici, c'est un fenouil qui est en train de grandir aussi. Donc, c'est le moment de faire des petites expériences et des plantations, de mettre des graines, garder les pépins des pommes, garder les pépins de pamplemousse, ce que vous avez sous la main, et faites-les germer dans du coton pour commencer si vous n'avez pas de terre. Et dès que vous avez l'occasion, vous trouvez des petits pots et de la terre et vous plantez tout ça. C'est drôlement chouette de voir les plantes grandir. À très bientôt! Bon alors, je vous ai dit n'importe quoi, c'était pas du tout la dernière vidéo. Déjà, je vous ai dit deux fois des bêtises. La carotte, la voilà. Le poireau, il a bien grandi. Et ça, c'était des pommes. Ce sont les pommes de terre. Donc elles ont grandi aussi, les pommes de terre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que c'était des graines d'autre chose que j'avais plantées qui avaient germé. Mais on va regarder ensemble. Voilà. Ça, c'était la graine de glycine qui a poussé. Sa racine est sortie. Et la pomme de terre, alors. Attention les dégâts, je vais en mettre partout, mais c'est pas grave, regardez. Je suis très enthousiaste. Je trouve ça incroyable. Oh là là, c'est la catastrophe. Je vais en mettre partout. Allez, on arrache tout. Regardez la pomme de terre. Regardez ça. Allez, les racines sont accrochées au pot. C'est bien la pomme de terre qui a germé. Incroyable. Les racines sont là. La tige est là. Et si on attend longtemps, longtemps, on aura de nouvelles pommes de terre. C'est formidable, ces pousses qui grandissent. Alors attendez, je repousse tout mon bazar. Et là, je vais me mettre au travail parce que les pois chiches, les voilà. Les petits pots, les voilà. J'ai de la terre. Donc je vais faire pause. Et quand je rallumerai, il y aura les petits pots de tout le monde. Prêt. Et voilà, comme promis, regardez. Il y en a. Un par enfant. Regardez ce que ça a donné. C'est pas incroyable ça? À partir d'un tout petit pois chiche de rien du tout. Bonne journée tout le monde.